Hey, salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on va tenter pour la seconde fois de battre l'archiprêtresse de Ruinos dans cette partie des ruines de Tandar, cette partie de campagne. Nous jouons le guerrier et nous allons tenter d'interrompre le rituel du démon. La dernière fois, on s'est fait botter les fesses de mémoire, lui, Ingarash l'insatiable, qui a été invoqué par la grande prêtresse. Cette fois-ci, bon, on va voir qui va être invoqué par la grande prêtresse. C'est pas sûr que ce soit le même démon qui soit invoqué. Donc, nous repartons à la bagarre tout de suite. Donc, du coup, nous revenons à l'affrontement ici. Donc, j'ai repréparé un petit peu le setup. Je vais pas vous refaire l'histoire, mais j'ai repréparé le setup. Qui va bien. Donc j'ai mis les monstres de niveau 3 avec les maîtrises, la carte de départ, vu qu'il est censé n'y avoir qu'une parmi les 13 quand on joue à un joueur, la grande prêtresse à 30 points de santé. J'ai dégagé le diablotin que j'ai vaincu et le zilote, on le met devant la grande prêtresse tout de suite, voilà, parce que c'est lui qui va la protéger au début. Et puis après, bon, on va voir un peu ce que ça fait au fur et à mesure, mais grosso modo, elle va gagner un paquet de rituels en fonction des cartes qui vont grossir ici. Ce paquet de rituels, les couleurs vont déterminer le boss qui va, le démon qui va apparaître, tout simplement. Ok, on va faire le marché rapidement. Alors, 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et un 5. Ok, donc toujours pas de sort de soin, malheureusement. Parce que je sais que dans les cartes, du coup, qu'ici, il y a le prisonnier qu'il faut délivrer, et il faut le soigner à hauteur de 4 points de vie, pour qu'il puisse, du coup, venir s'allier avec nous pour taper sur la tête de la grande prêtresse, et ainsi, enfin, nous aider avec des comportements spécifiques aux différents boss, quoi. Malheureusement, ben, pour l'instant, on n'a pas de quoi le soigner, donc, du coup, on va faire ça. Alors, on va y voir, une main très offensive au début, enfin, ouais, assez offensive, ok. Du coup, c'est à la tour du maître de jouer, donc c'est la grande prêtresse qui commence. Et elle commence déjà avec une maîtrise verte. Donc elle va récupérer la carte verte de coup le plus fort, à savoir celle-ci, qui coûte 3, pour la mettre dans sa pile de rituels qui va ici. Ensuite, lui, il m'attaque à hauteur de 6 points de dégâts. Tac, voilà. Donc de 60, je passe à 54. Ok, c'est à moi de jouer. Donc du coup, j'ai quoi? J'ai 4 d'économie pour 7 de puissance de frappe. Malheureusement, ça ne rend pas compte, parce que j'ai pas de champion et serviteur en jeu. Donc 7 d'économie de fort de frappe. Toi, tu as une résistance de 6, pardon. Donc ça fait 1 point de dégâts à la grande prêtresse qui tombe à 29 points de vie. Ok, donc ça c'est bon. Et du coup, j'ai 4 d'économie. Pour 4 d'économie, qu'est-ce que je viens pouvoir m'acheter? Tipalipaboum. Le contrebandier, c'est bien ça. Ça fait 2 d'économie à chaque tour. Pour 4, c'est pas mal. On va faire ça. Allez, voilà. Je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va voir ce qu'on a. Donc, cette fois-ci, encore un peu de force de frappe et un petit champion. Ok. On tire une pioche pour toi. C'est un disciple de Ruinos qui va devant moi. Voilà, c'est du vert. Donc, on va également, de nouveau, récupérer la carte verte. Du coup le plus élevé, donc pour l'instant ça fait 2 cartes vertes qu'on récupère, donc potentiellement le Ingarash l'insatiable, hein, qui revient à la charge, hein, on verra, mais bon, potentiellement c'est vrai que c'est possible. Et donc toi tu m'attaques, tu m'affiches 3 points de dégâts, donc de 54 je passe à 51, voilà. Ensuite, donc là hop, toi 3 points de dégâts, donc 3 points de dégâts, toi tu dégages, voilà, avec cette épée. Et j'ai 3 points d'économie. Pour 3 points d'économie cachette, je vais acheter l'homme d'armes ici à 3 points d'économie. Voilà. Hop. Et je refais ma main à hauteur de 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, voyons voir un petit peu ce que je vais avoir en main la prochaine fois. Sachant que, ben voilà, il faut à la fois des forces de frappe, à la fois de comme défendre. Ok, pas mal, c'est pas mal. Si, j'ai une belle main offensive. Donc, moyen de faire quelque chose. Ce serait bien de la tomber avant qu'elle arrive, avant qu'elle passe à son niveau. Le pentacle, c'est du jaune, donc il va aller bouffer la carte jaune de plus haut niveau, sachant qu'il n'y a pas de carte jaune ici. Pas de problème. Le pentacle, qu'est-ce qu'il fait? Si jamais je joue une carte rouge, enfin, elle tire une carte rouge.
elle inflige 5 points de dégâts à chacun de mes champions, à moi et à chacun de mes champions. Voilà. Et moi, je peux la défausser si j'arrive à jouer une carte qui coûte 5. Mais ma carte qui coûte 5, j'en ai pas. J'ai une carte qui coûte 3 uniquement, là. Donc, du coup, ça, je vais le mettre là. Ça, je vais faire comme ça. Donc, du coup, ça fait quoi, tout ce petit monde? Non, déjà, j'ai qu'un d'économie. Je ne veux pas faire grand-chose avec un d'économie pour l'instant, mais il y a peut-être moyen de faire autre chose. Potentiellement, j'ai 2 de puissance, 2 plus 1 pour chaque autre garde que j'ai en jeu. Garde, pas serviteur. Donc, déjà, ça fait 2 et 1, 3. Donc, je m'étais planté à une partie, tiens. Je l'avais joué, et j'avais, je crois que j'avais, je pense que j'avais pas compté un champion qui n'était pas garde. Ouais, bon. Je sais plus quelle partie c'était, mais bon, c'est pas bien grave. Si, mais du coup, c'est trop tard maintenant. Donc, potentiellement, j'ai une puissance d'attaque de 2 et 1, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Grâce à celle-là, je vais piocher une carte. Donc, je pioche une carte tout de suite. C'est une ressource, 8. 8, 9, 10, 11, 12. On est d'accord, hein. 2 et 1, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, j'ai 12 points de dégâts que je peux infliger tranquillement au boss, à l'archiprêtresse. Donc, 12 points de dégâts. Donc, 2, 10, de 29. Elle passe à 17. Bien, très offensif, j'adore. Pour 2, je vais acheter l'influence, là, pour 2. Parce qu'il faut quand même que je puisse me débarrasser de ce truc-là, là. Et puis, bah, avoir des, acheter des cartes de plus en plus puissantes, hein, parce que... Allez, j'en fais ma main autour de 5 cartes. De l'économie, beaucoup d'économie, ça, ça peut faire très mal quand ça va taper avec ça, c'est très bien. Voyons voir, la carte que je pioche ici, c'est une maîtrise jaune également, donc maîtrise jaune. Donc, attention, plus que 2, plus qu'une carte de maîtrise, et elle passe son niveau... Et il faut que je la tape avant, quoi. Donc c'est une carte jaune, elle va choper la carte jaune la plus élevée là-dedans, il n'y en a pas. Donc bah, du coup, ça s'arrête là, c'est donc à moi de jouer. Alors, à moi de jouer, j'ai 1, 2, 3, c'est 5 d'économie. Putain, 5 d'économie, il n'y a pas gras à 5 d'économie, quoi. Il n'y a pas gras pour 5 d'économie. Je vais prendre l'influence pour 2. Et l'influence pour 2 et le prêtre du cul pour 3. Donc j'ai claqué mes 5 d'économie, ça c'est fait. Du coup, en termes de patates, je fais 2 dégâts plus 1 pour ça, parce que ça fait 2 et 1, 3. 3 ensuite, là, ça fait 3 dégâts plus 3 pour chaque serviteur dans ma zone. Donc j'ai ça et ça. Donc ça fait 3, 6, 9, 10, 11, 12. 12 points de dégâts d'un coup. Bam! 12 points de dégâts de 17, il passe à 5. J'aime quand ça se passe comme ça. Et ça, ça a été fait. Ok. Je crois que la phase 1 va se faire excessivement vite cette fois-ci. Il ne faut juste pas que ça soit le niveau là. Ce serait dommage à 5 points de dégâts là, de rater le. 3, 4, 5. Voilà. Ma prochaine main sera la suivante. Je ne peux toujours pas me débarrasser de cette merdouille, parce qu'il faut des cartes de niveau 5, et c'est les cartes de niveau 4 que j'ai ici. Ok, donc on va voir un peu ce qu'on a là. C'est, oh putain, une carte verte, donc il va aller bouffer une carte verte la plus élevée, donc c'est celle-là. Voilà. C'est un golem qui apparaît ici, qui est résistant, donc je ne peux le tuer que avec des dégâts, je ne peux pas le tuer avec des sorts, par exemple. Donc, du coup, c'est à moi de jouer. Et non, mais non, il attaque à hauteur de 5. Pardon, pam. Donc, 5 points de dégâts. Il inflige 4 points de dégâts à mon homme d'armes. Et un point de dégâts qui est absorbé par lui. On s'arrête là. À moi de jouer. Alors. J'ai ça. Moi, je vais l'avoir, en tout cas. Ça, c'est bon. Je ne fais pas trop de soucis par rapport au fait que je le tue ou pas, lui. J'ai pas d'autres cartes. J'ai pas d'autres cartes. Voilà ma main que je joue. Oups, petit chargeur qui était fun charge en même temps. J'ai pas d'autres cartes bleues, donc je ne veux pas faire un combo avec ça. Par contre, je peux faire 4, 5, 6, 7, plus 3 pour chaque serviteur. J'ai 2 serviteurs. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Putain, je le tue pas. Si, je vais le tuer, tu vois. 13. Hop, ça fait 13 moins 9, ça fait 4 points de dégâts. Il me reste 4 points de dégâts potentiels à lui mettre. Attends, avant de faire ça, je vais faire mes achats, par contre. J'ai dit qu'il était à 4 points de dégâts, 5 points de dégâts.
J'ai combien d'achats potentiellement? Avant de faire les dégâts, je vais faire les achats. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faudrait que je garde ça. Il faut que je claque 4 pour garder ça. Donc pour 4, je vais acheter ça. La mise à prix. Il me reste 2. Il me reste 2 points de dégâts. 2 points d'économie, pardon. Donc je vais les utiliser pour faire ça, pour gagner 2 points de frappe de plus. Donc ça fait 2, je récapitule, 2, 4, 2, 6, pardon, 6, 6. Là je suis à 6, ensuite 6, et 3, 9, et 3, 12, et 3, 15. 15, il a 9 points de vie lui, il ne reste plus que 6, et toi tu étais à 5. Ou 4, je sais plus, enfin peu importe. En tout cas, tu tombes à 0. Et c'est fini pour toi. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que la prêtresse est tombée vitesse grand V, là. Elle n'a pas vu le jour, la prêtresse. Et c'est une bonne nouvelle. Du coup, qu'est-ce qui se passe-t-il quand on tue la prêtresse avant qu'elle ait fini son rituel? J'ai tué la prêtresse avant qu'on ait fini son rituel, encore une fois. On va au chapitre 8. Le chapitre 8, donc on n'a pas croisé le prisonnier, malheureusement. Mais on est arrivé ici, donc en terrassant la prêtresse, on a fait le rituel, on met les 5 premières cartes du rituel sous le deck du marché. Le joueur qui a vu la prêtresse, quand il est son tour, il peut toujours attaquer les serviteurs. Donc je mets les 5 cartes sous le deck du marché. 1, 2, 3, donc je les mets sous le deck du marché. Voilà. Donc il n'y a aucune carte aucune case dans sa carte rituelle, ce qui est plutôt une bonne chose. Et on va au chapitre 11. Prenez les cartes rituelles, séparez-les en 4 piles, une par chaque faction. S'il y a des couleurs sur faction, mettez-les de côté. Donc du coup, j'ai même pas de carte rituelle. Comptez le nombre de cartes de chaque pile, c'est 0. En cas d'égalité, pour le plus grand nombre, ben 0. Ajoutez la carte, des cartes du dessus du deck au marché de la pile concernée, patati patata. Du coup, ben, la couleur. Ce qu'on va tirer là, ça va déterminer le boss. Donc c'est du bleu. Donc nous allons affronter le boss bleu. Donc le boss bleu, déjà, donc il y a une pile, donc on a créé une pile de bleu. Hein. Pour chaque carte bleue dans le rituel, ce qui est le cas, du coup, assommez le champion avec la valeur d'armure la plus élevée. Donc c'est toi qui es assommé. Voilà, ça tu vas là. Tout simplement. Ensuite, mélangez désormais toutes les cartes rituelles dans le deck de marché. Ensuite, ajoutez la défausse. Donc on remélange la défausse. Donc on remélange le deck de marché avec les cartes potentielles de rituel que l'on a. Que l'on a zoné, mais vu que je lui ai fumé sa tête assez rapidement à la cocotte, là, elle n'a pas vu le jour. Et c'est plutôt. Enfin, plutôt. Je sais pas si c'est un bon signe, mais en tout cas, ça s'est fait plutôt vite. Ça s'est fait plutôt vite. Du coup, c'est une pile bleue, donc on va. Qui a gagné, donc on va au chapitre 12. Chapitre 12. Donc, on va affronter l'ombre narquoise. Alors, l'ombre narquoise, où est-elle? C'est toi. Alors, l'ombre narquoise, qu'est-ce qu'elle nous fait, l'ombre narquoise? Donc, allez, attends, hop. Niveau 1, elle projette des ombres. D'accord, on va voir ce que ça fait. Donc, le rugissement s'intensifie, se mue en oreille profonde. Au-dessus du brasier, une paire de grands yeux rouges s'ouvre avec une bouche édentée sourit. La salle vibre et chaque rire du démon, à chaque rire du démon, pardon, et les murs se fissurent de toutes parts. Le rire grimpe dans les aigus, patati patata. Des bocs de pierre tombent. Bref, c'est la calamité, la catastrophe. L'ombre narquoise arrive. Commence avec 75 points de vie, Lascar. 75 points de vie. Alors, 75 points de vie, je les représente comme ceci. Voilà. Le maître pour cette partie, l'ombre narquoise. Remplacer la grande prêtresse par l'ombre narquoise. D'accord. J'ai oublié de remélanger, du coup, le deck de rituel de l'ombre narquoise. C'est ce que je fais. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a une gestion des ombres, lui. On voit ce que ça fait. Continuez d'utiliser votre deck du maître. Ok, les serviteurs qui sont présents restent en jeu. Il n'y a plus de serviteurs, ça tombe bien. Par contre, il y a toujours cette merdouille là, de pantalames qui reste. 75 points de vie, ainsi que les bonus de santé. Ce n'est pas le cas. Ce maître n'a besoin que de deux cartes de maîtrise pour changer de niveau. Et nous progressons plus rapidement que les maîtres précédents. Soyez prudents, effectivement. Règle spéciale. Lorsque l'ombre narquoise projette une ombre,
Donc, c'est marqué ici. On place la carte du dessus du marché face cachée sous la carte du marché la plus à gauche, n'en possédant pas déjà une. Ok, d'accord. Donc, on met une carte ombre là-dessous, par exemple. Enfin, là-dessous au début, là-dessous ensuite, etc., etc. Lorsqu'une carte de marché est acquise, sacrifiez son ombre. Ok, on la sacrifie, donc on la fout hors du marché. Si vous devez ajouter une ombre et que toutes les cartes du marché en ont déjà une, aucune ombre n'est projetée à ce tour. Néanmoins, une fois la réduction de la capacité du maître terminée, les ombres attaquent. Révélez 5 ombres. D'accord. L'ombre narquoise gagne autant de force de frappe que leur coup cumulé, puis sacrifiez-les. Ok, donc il y a une mécanique un peu sympa. Donc il va générer des ombres sous les trucs qui sont là. Et ça va être à moi d'acheter les cartes en conséquence pour éviter justement qu'il y ait des ombres partout et que quand il n'y a plus d'ombre, quand il doit ajouter une ombre mais qu'il n'y a plus de place, et ben, il attaque avec toutes les ombres. Ok. Alors c'est parti. Je vais me générer une carte de 5, une main de 5 cartes, pardon. Ok. Est-ce que j'ai assez pour utiliser ça? Non, je ne pourrais pas assez. Je pourrais pas lancer d'attaque puissante ce tour-ci. Ok, ben c'est parti. Alors, on va voir ce qu'il pioche. Il pioche, ben tiens, super, une carte rouge. Alors, déjà, une carte rouge, là, ça se déclenche tout de suite. Puis, la chose se déclenche en même temps. Donc, déjà, carte rouge, on va commencer par ça. Carte rouge, on fait l'événement qui est ici. C'est une maîtrise, donc prochain tour, il gagne un point de niveau. Projeter une ombre. Ok, donc je prends une ombre, là, et je la mets sous la carte du deck, la première disponible, voilà. Assommer le champion ayant la valeur la plus élevée parmi tous les joueurs. Donc, ben, c'est forcément toi qui y passe, ok. Ensuite, rouge. Du coup, ça inflige 5 points de dégâts à tous les champions, et ainsi qu'à moi. Ok, ben ça, c'est fait. Donc je prends 5 points de dégâts, donc j'étais à 52. J'arrive à 47. C'est à moi de jouer. Alors, moi j'ai ce champion-ci, cette attaque-ci, et 3 d'économie. 3 d'économie, donc c'est bien que je puisse acheter ça, mais je ne peux pas. Donc je vais acheter la putréfaction. 3 d'économie, et je lui inflige. Je pouvais faire 4 d'économie avec ça, mais il me reste 1 d'économie là. Est-ce qu'un d'économie, j'ai envie d'acheter l'étincelle? Oui, j'ai envie d'acheter l'étincelle pour un d'économie, avec ça. Oh, c'est bon ça, mais alors, il faut arriver à avoir 7 d'économie. Hein. Du coup, 3, donc, je affiche 2 points de dégâts, donc il tombe à 73. Voilà, petit tour, pas très rapide, mais bon. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 cartes, ma prochaine main sera la suivante. Ok, et voyons voir qu'est-ce qu'il va me faire. Oh putain, sans déconner, quoi! Allez, vert, projetez une ombre, défaussez-vous d'une carte. Donc on projette une ombre. Et je me défausse une carte. Alors, je vais me défausser d'un or, voilà, tout simplement. Et il est déjà niveau 2, Coco Lastico. Voilà, ça c'est fait. Hop, niveau 2. Allez, niveau 2, qu'est-ce qu'il fait? Il projette plus d'ombre, en fait. Ouais, c'est ça. Putain, bleu projette 3 ombres. Putain, faut pas traîner. Hein. Ok. Par contre, bon, l'avantage, c'est qu'il nous pioche une carte. Contrairement à l'insatiable, la dernière fois, qui tirait 2 cartes. Alors, du coup, il faut que j'achète ces cartes-là en priorité. J'ai pas assez d'économie, c'est ça. Ah, peut-être. 2 et 1. Attends, j'ai ça, déjà, j'ai tout ça. Donc j'ai 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, pas mal. 7 d'économie. Je peux pas avoir 8. Non, je voulais avoir 7. Je vais avoir 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, 7 d'économie. Alors, je vais faire ça pour 7 d'économie. Donc j'ai acheté cette carte-là. Histoire de gratter une ombre ici, là. De ne pas me faire avoir par les ombres, donc celle-là, je la sacrifie. Elle arrive là, voilà. Ok. Du coup, en termes de puissance de frappe, là, non, ça ne fait rien. Là, ça fait rien. Si ça joue, j'ai joué ça, donc là, ça me fait quand même 3 pour ça. 3, 4, 5, 6, 7. C'est de là qu'on botte en telle, donc ça me fait 7. Ça, c'était une action. Donc 7 points de dégâts, donc 73. 70, 64. Non. J'ai dit 7 points de dégâts. Hein. 7 points de dégâts. 66, pardon. Voilà. Et j'en fais une main de 5 cartes. Qu'est-ce que c'est ce merdier? Pourquoi j'ai ma truc est comme ça? Parce que je n'avais plus de. Je n'avais plus de pioche. C'est normal. Donc je refais une petite main. Ok, donc il a 66 points de vie. Pour l'instant, c'est assez cool. Il est quand même niveau 2, donc il va projeter beaucoup d'ombre. Il projette 3 ombres d'un coup, s'il veut. Alors, si je sors un bleu, il projette 3 ombres. Ouais, 3 ombres, donc j'ai intérêt à absolument à maîtriser mon achat ici, là, et à l'avoir à l'usure, en fait. Quoi. J'ai pas l'impression qu'il tape très fort. Enfin, si, il va taper fort s'il claque toutes tes ombres, quoi. Ça, c'est sûr, mais bon. Allez, 5 cartes.
2, 3, 4, 5. Ma main est la suivante. Ok, une main assez offensive. Ça, c'est très bon, c'est très bon, c'est très bon. C'est un... Ouais, okay, pas mal. Allez. Du coup, c'est à toi. Un pentagramme. Donc, pentagramme, qu'est-ce qu'il fait? Donc, c'est déjà, c'est vert. Il va projeter une ombre. Donc, on prend la première carte ici. On la met sous cette carte-là. Voilà. Et après, il va défausser... Je vais me défausser d'une carte pour chaque ombre. Ah oui, d'accord. Donc, il y a deux ombres. Donc, je vais perdre deux cartes. Putain, qu'est-ce que j'ai envie de perdre, là? Qu'est-ce que j'ai envie de perdre? Donc, ça, c'est sûr. Et alors, du coup, celle-là, je pense que c'est ça le plus intéressant à perdre. Ça fait 4 d'attaque, mais là, ça combatte avec celle-là, et celle-là, elle combatte avec toutes mes, avec lui, là. Donc, ok. Bon, du coup, je ne peux pas acheter ce tour-ci. Et oui, et du coup, c'est un pentacle qui vient se mettre ici, en fait, tout simplement. Voilà. À mon tour de jouer, donc, du coup... Du coup, je peux pas acheter, parce que j'ai qu'un d'économie potentielle, donc je vais frapper comme un gros cochon. Hein. Je vais faire ça. Donc là, ça fait quoi? Ça sacrifie une carte de ma défausse. Donc je sacrifie un or de ma défausse. Voilà. Donc j'ai un potentiel de frappe de combien? Donc là, je prends de la baston, parce que je peux pas rien acheter, c'est que j'ai qu'un d'économie. Donc je prends de la baston, donc ça fait 1. 2. Ça, c'est pour chaque autre garde en jeu. Donc, j'ai pas de garde en jeu, donc ça fait que 2. Donc, ça fait 3. Là, ça compte avec ça. Ça fait 3, 4, 5, 6, 7. 7, là, ça combat ensemble avec ça. 7 et 3, 10 et 4, 14. Donc, j'affiche 14, là, rien qu'avec ça. Là, j'ai 14, plus ça. 14 et 3, 17. Et plus 3 pour chaque autre serviteur. Donc, 17, là, 20, là, 23. Bien ça. 23, donc de 66, il passe à 43. Bam! C'est ce qu'on appelle une bonne grosse mandale dans ta tronche. Très très bien, cet ajout au tranchant. Bien fait d'avoir gagné, quoi. Très 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 bien. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on va voir les mains que j'ai. Ok, une grosse frappe de frappe. Beaucoup d'économies, ce qui est plutôt bien, parce que je vais pouvoir m'acheter des cartes avec les ombres, là. Piocher une carte, ouais, j'ai peut-être moyen de prendre celle à 8, là, si tout se passe bien, avec ça, si ça, ça reste en jeu, j'ai moyen d'avoir 8 d'économie, on va voir, alors, oups, alors, on va voir, c'est un putain de golem qui se pointe, donc il est vert, donc il projette une ombre, un vert, projeter une ombre, et je défausse une carte pour chaque ombre, donc déjà, je projette ça, et donc je défausse 3 cartes, donc finalement, ça va être plus compliqué que prévu, donc je défausse ça, ça c'est sûr, ensuite, bah, je vais défausser mes deux cartes d'attaque là. Putain. Ouais, parce qu'il y a beaucoup trop d'ombre. Je défausse mes deux cartes offensives. Je préfère garder mes cartes comme ça, quoi. Ça c'est fait. Donc lui il attaque à hauteur de 5 points de dégâts. 5 points de dégâts, c'est l'homme d'armes qui prend. Donc il m'affiche 4 points de dégâts. À moi, enfin à mon homme d'armes là, qui disparaît, et j'en prends un parce que lui il peut pas les absorber, donc je tombe à 46. À moi de jouer. Oui, mais je peux pas le tuer lui, c'est un peu con ce que j'ai fait comme technique là. Bon, c'est pas grave. On va voir. Du coup, là j'ai un point de dégâts, mais je prends un point d'économie, je peux faire acheter à 7 ou à 6. Donc à 6, je vais prendre et acheter le drain de vie pour 6. Pour ces deux cartes là, 6 d'économie, ce qui permet de me séparer du nombre ici. Voilà, ce qui est pas mal du tout. Et toi, ça fait un de point de dégâts, mais tu peux rien en faire. Et un point d'économie, tu peux rien en faire non plus. Non. Donc, je refais 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Il a 40 en points de vie. Il y a moyen de faire un truc. Hein. Ok, de la baston. Ouais, pas beaucoup de baston, beaucoup d'économie, mais pas beaucoup de cartes offensives. Là. Il faut que j'en débarrasse de lui. Il va me saouler. Hein. Une carte jaune, il projette une ombre, le maître gagne... Oh putain, il projette une ombre, le maître gagne 3 points de santé par ombre. Donc il gagne 9 points de vie. Donc de 43, il monte à 52 déjà. J'ai pas vu qu'il pouvait soigner l'enfoiré. Et lui, il attaque à hauteur de 5, donc il me pète ce garde-là, et il m'affiche un point de dégâts, je tombe à 45. À moi de jouer... Donc ça, c'est là... Putain, j'ai même pas moyen de le tuer lui, quoi. J'ai quoi? J'ai 4 d'économie. 4 d'économie, je peux rien acheter ici.
J'ai rien en possibilité d'achat. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ça. En faisant comme ça. Donc, je génère deux frappes avec deux d'économie. J'active le champion ciblé. J'active lui. Ce qui fait qu'il me libère le passage pour aller taper sur le boss. Avec ça et les deux d'économie, j'ai gagné. Du coup, ça me fait 5 qui tombent sur le boss. 5 qui tombent sur le boss. De 52, il redescend à 47. Ok. Et toi, tu te réactives du coup. Non, tu ne te réactives pas. Tu te réactives à la fin du tour de propriétaire. 2, 3, 4, 5. Donc tu ne vas pas me faire chier ce tour-ci. Voilà ma main. Pas mal. Ça, je vais m'en débarrasser avec ça. Si je ne me défausse pas de carte. Hein, parce que ça est chaud là. Allez, à toi. Le fameux prisonnier, il est bleu. Ah putain, il est bleu. Donc déjà, on va approcher 3 ombres. Donc, alors attends. Donc, je projette 3 ombres. J'en projette une. J'en projette 2. Et je ne peux pas approcher la troisième. Du coup, si vous devez jouer non, mais que toutes les cartes du marché en ont déjà une, aucune n'est projetée à ce tour. Néanmoins, une fois la réalisation de la capacité du maître terminée, ce qui est le cas, les ombres attaquent. Rélevez les 5 cartes ombres, l'ombre narquoise gagne autant de force de frappe que leur coût cumulé, puis sacrifiez-les. Ok, bon, bah écoutez, on va voir un peu à combien il va m'attaquer avec tout ça. Oh putain, oh la vache! Oh l'attaque d'enfoiré! Oh, c'est tout de fou, quoi. Il t'a plus. Mais... Donc il m'attaque à 6 et 6, 12 et 6, 18. 18 et 3, 18, 19, 20, 21 et 5, 26. 26 points de dégâts il m'inflige. 26 points de dégâts. J'absorbe 3. Donc 23 points de dégâts. Je suis à 45. Moins 23, ça fait 22. Punaise, il m'a mis l'amende là en un tour là. Oh. Allez, alors là, faut que je rende l'appareil absolument, mais bon, j'ai pas grand-chose, malheureusement. J'ai ça, et bon, ça se réactive, du coup. Je peux assommer le champion ciblé, mais non, parce que lui, je ne peux que le tuer. Donc là, j'ai ça, et j'ai 2 d'économie. Donc voilà, donc j'ai ça, potentiellement. Donc ça, je joue une carte qui coûte 7, donc ça, hop, ça le défausse. Voilà, très bien. Pour lui, il faut que je m'en débarrasse, de toute façon. Donc j'ai 2, 4 d'économie. Putain, j'ai 2 ou 4 d'économie, quoi. Ou alors je le laisse là et je recommence mon tour de tout à l'heure. De toute façon, à 4 d'économie, je peux rien acheter sur le terrain de tapis, sur le tapis de jeu, quoi. Donc du coup, la prochaine carte dont vous faites l'acquisition, ce tour-ci, on la met au-dessus du deck. Ouais, mais à 4 d'économie, je peux pas. Donc déjà, je vais aller voir la. Je vais défausser la première carte de sa carte et regarde ce que ça fait. C'est une maîtrise comme ça. Par défaut, il va projeter 3 ombres. J'ai pas envie qu'il projette 3 ombres. Hein, donc. 3 ombres, il peut les projeter encore les 3 ombres. Ça me gêne pas tant que ça, finalement, qu'il projette 3 ombres. Ouais, enfin, si, parce qu'après, il faut que je m'en sépare. Si, allez, 3 ombres, hop, je veux pas. C'est potentiellement, il pourra me mettre un monstre en plus, mais voilà, on va faire ça. Du coup, j'inflige 4, 5, 6, 7. J'ai pas le choix, 7, je vais claquer ça comme ça. 8, 9 points de dégâts pour que le golem de pierre disparaisse. Voilà, ça c'est fait. Et il me reste 2 points d'économie et j'achète une gemme de feu que je la mets au-dessus de mon deck. Voilà. Ok, tac, je repioche 5 cartes. Une, je mélange. Lui, il n'est pas soigné, le prisonnier, important pour l'instant. Et bon, le fait d'arriver à le choper, ça peut être intéressant parce que ça peut me permettre de dégager une ombre en fait. Donc il faut que je le soigne. Mais pour l'instant, je n'ai chopé aucune sorte de soin. C'est pour ça que lui, ce serait bien que j'arrive à le choper. Mais 7 d'économie. 7 d'économie, mon petit coco. Est-ce que je les ai là? 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5. 5, 6, 7. Ah, peut-être. Peut-être. Allez. L'ombre narquoise, c'est un serviteur fanatique élite. Donc il est jaune. Donc, il projette une ombre, donc ici. Voilà. Et il regagne 3 points de vie par ombre. Donc, de 47, il monte à 50. Il n'y a qu'une seule ombre. Lui, du coup, il s'active. Il m'affiche 4 points de dégâts. 4 points de dégâts, là, ces deux-là, ben non, il ne peut pas les tuer. Bon, moi, je prends. Donc, de 22, j'arrive à 18. Ok, c'est à moi de jouer. Alors, à moi de jouer. J'ai tout ça en jeu. Et donc j'ai dit que je pouvais acheter ça. Donc je vérifie. Donc j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7 d'économie. 7 d'économie, j'achète la domination. Voilà.
Du coup, elle, quand je vais pouvoir la jouer, je vais pouvoir soigner le gazier, là, et après, il va pouvoir m'aider. Ok, 7 d'économie, c'est fait. Je sacrifie ça pour gagner 3 d'attaque. Lui, il a 3 d'attaque. Donc, mon économie, c'est fait. J'ai 3 d'attaque. J'ai 3, donc là, c'est activé. Attendez. Tac. J'ai oublié de faire un truc. C'est que cette carte-là, vu que c'est de la combotte, cette carte-là, la prochaine carte dont je fais l'acquisition, ce tour-ci, est au sommet de mon deck. Donc, elle arrive ici, ma carte de domination. Ça, c'est pas mal. Ensuite, du coup, donc là, c'est fini pour la... C'est fini, pardon, pour la... Pour l'économie. Ensuite, là, ça me dit que je peux assommer le champion ciblé. Le champion ciblé, je vais l'assommer lui, parce que j'ai personne dans ma zone. Je vais donc assommer celui qui est dans la zone du méchant. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Donc, ça fait 4 de frappe. 4 plus 3, 7. Et j'en rajoute 3 pour chaque serviteur. 7 et 3, 10. Et 3, 13. Je lui affiche 13 points de dégâts. Donc, de 50... Il arrive à 37. 37. Voilà. Et je réactive ces deux messieurs et je pioche 5 cartes, dont la carte que j'ai gagnée le tour d'avant. Voilà. Donc du coup, je vais pouvoir. Voilà. Grâce à ma domination ici, là, je vais pouvoir guérir le prisonnier, j'espère, en tout cas. Après, moi, je suis à 18 points de vie. Hein. Est-ce que je guéris le prisonnier ou est-ce que je me. Ouais, je sais pas trop. On va voir. Un chantre de Ruinos encore, donc il est jaune, il est bleu, donc je génère 3 ombres. 1, 2, 3. Putain, il va me faire mal au prochain tour, la vache. Il génère 4 points de dégâts en faisant comme ça. Et il m'affiche 4 points de dégâts, il peut tirer ni, donc ça fait 4, donc je tombe à 14. 14. Ouais, à moi de jouer. Alors, déjà, je vais faire. Est-ce que j'ai envie de me soigner moi ou de le récupérer lui? Je sais pas trop. Là, je pioche une carte. Attendez, j'ai combien d'économies déjà? On va voir l'économie que j'ai. En économie, j'ai 5 d'économie. C'est bien. Non, j'ai 4 dans l'économie. Là, j'ai un chevalier qui arrive là. J'ai 4 en économie. Donc, ce que je vais faire, je vais avec... Alors, on va tenter de rejouer malin. Avec ça, je vais assommer toi. Ces deux-là, cartes combattent entre elles, elles sont bleues. Donc, toi, t'es assommé, tu disparais. Donc je génère 4 d'attaque. Avec ça, je pioche une carte. C'est le drain de vie. Je peux sacrifier une carte de ma main, ma défausse, j'ai pas envie. Ok, donc là, je mets tout ça en attaque. Je pose toutes mes cartes. Il me reste ça et ça que j'ai pas joué encore. Avec cette carte-là, je peux piocher une carte parce que j'ai plus de 7 d'attaque. Là, je suis à 8, enfin, je suis à 4, 10, 18, 20. Je suis à 20, donc je peux piocher une carte. C'est ce que je fais tout de suite. Je pioche une carte qui est la putréfaction. Ça combotte plutôt pas mal. Je peux sacrifier une carte de ma main ou de ma défausse. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Oui. Avec ces deux-là, je sacrifie une carte de ma main de ma défausse, celle-là, et celle-là, je sacrifie une carte de ma main de ma défausse, je sacrifie celle-là. Ok. Il me reste 4 d'économie. Pourquoi j'avais compté 5, moi, d'économie? 4 d'économie. Donc pour 4 d'économie, je vais faire ça et je vais acquérir l'homme d'arme qui est ici. Je le mets en haut de mon deck, grâce à sa capacité à lui, qui combat avec lui. Donc ça, ça part ici, ça disparaît. Il me reste un d'économie que je ne pourrais pas utiliser. Donc. Il a 37 points de vie. Est-ce que j'arrive à le tuer déjà? Est-ce que j'arrive à le tuer? Donc, 6 et 4, 10. Ah, piocher une carte. Celle-là et celle-là n'ont pas comboté. Donc je pioche une carte avec celle-là. Je gagne un homme d'armes, ce qui est plutôt cool. Plus de place, plus de place. Ok. Par contre, ces deux-là vont pouvoir comboter facilement. Donc, je vais pouvoir mobiliser un champion. Ce qui est bien, mobiliser un champion, c'est que je le remets droit pour le remettre après caché, comme ça. Ça, c'est cool. Donc, il y a peut-être moyen de faire un gros combo de... Un gros combo. Je reprends juste après. Excusez-moi, du coup, je sais même pas si ça a filmé en fait ou pas. Donc je reprends. La vidéo d'avant, on va l'effacer. On repart de là. Donc j'ai dit qu'en faisant tout ça, je faisais 34 points de dégâts. Je reprends mon explication. Hein.
6 et 4, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 23 et 3, 26 et 4, 30. Et avec ça, qui combat avec ça, je peux remobiliser un champion. Ça fait donc, je remis celui-là, ça fait 34. Donc je lui inflige 34 points de dégâts sur ces 37. Donc il lui reste 3 points de vie. Et je ne peux pas faire mieux. 3 points de vie. Ok. Il a 3 points de vie, le boss. On va l'avoir. On va l'avoir, on va l'avoir, on va l'avoir. Par contre, du coup, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça se remobilise. Par contre, il y a toujours la question des 6 points de vie qui sont ici. Ces 6 points de vie, est-ce que je les prends pour moi ou est-ce que je les mets à lui? J'ai envie de les prendre pour moi. Pourquoi? Parce qu'il lui reste 3 points de vie. Au pire, même s'il me fait une attaque d'ombre avec tout ça, je peux encaisser ça, je peux encaisser 7 points de dégâts et j'ai 14 points de vie. Si jamais je me soigne, je monte à 20 points de vie, donc potentiellement 27 points de vie. Je préfère faire ça plutôt que récupérer lui, alors que c'est trop tard. Donc je soigne de 6 points de dégâts, donc je monte à 20. Fin de la partie, enfin fin de la partie, fin du tour, et je récupère des cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors ma prochaine main va être celle-là, c'est offensive. Ok, donc déjà là, j'ai déjà de quoi le tuer avec tout ça. Ça va dépendre de ce qui me sort ici. Il me sort un autre putain de golem. C'est pas très grave, on s'en sort quand même. Le golem. Et alors, c'est un rouge, il projette une ombre. Déjà, il projette une ombre en faisant ça, ici. Et il assomme le champion ayant la force la plus élevée parmi tous les joueurs pour chaque ombre. Ah putain, pour chaque ombre. Donc, j'ai 4 ombres. Hein, donc, du coup, bah, j'ai 4 champions. Je ne pose pas de questions. J'assomme les 4 champions. Ok, ça c'est beaucoup moins cool, mais on va quand même s'en sortir, parce que hop, il m'affiche 5 points de dégâts, donc de 20 je reviens à 15, et ça se remobilise. Ok, donc lui il a 3 points de vie, donc lui il faut que je me débarrasse de lui avant toute chose, pour pouvoir le tuer. Donc je joue ça, et j'ai tout ça en jeu. Alors j'ai ça, mais bon, on va s'en sortir, vous allez voir comment on va s'en sortir, on va être bien malin. Parce que potentiellement j'ai 3, 6, 9, 10. Donc ça ne suffit pas parce que lui il est à 9 et là il reste 3 points de vie. Mais, grâce à mon 2 d'économie qui est ici, je vais utiliser ça, mon coup repoussant, et je vais activer un champion ciblé. Donc le champion qui est là, je l'active, comme ça, voilà. Du coup, vu qu'il est activé, il ne protège pas contre le ciblage ou l'attaque des autres champions ou de leur propriétaire. Ce qui fait quoi? Que je inflige une grosse patate de. Et j'ai tout ce que j'ai. 3, 6, 9, ça je l'ai détruit. Hop là, 9, il m'emmerde lui. 9, 9 plus ça, 10. J'inflige 10 points de dégâts à notre homme narquoise qui n'a plus que 3 points de vie grâce à ma grosse praline du tour d'avant. Il meurt. Je suis à 15 points de vie et l'ombre narquoise est finie. Nous avons donc réussi à tuer l'ombre narquoise. Alors autant la dernière partie, on s'est fait flinguer par l'ingarache insatiable. Autant l'ombre narquoise, on a réussi à encaisser ses dégâts, sachant qu'il m'a quand même mis une grosse amende à 26, je crois, points de dégâts. Un gros truc de fou. Donc voilà. C'est pas mal. Du coup, l'ombre narquoise était vaincue. Rendez-vous chapitre 16. Après, il y a d'autres boss, hein. Il y a le Carnigriffe qu'on n'a pas affronté, l'Intent à affronter, et le Karak Chaîne de Fer, voilà. On a deux boss qu'on n'a pas affronté sur les quatre. Les héros sont victorieux, vous avez vaincu les démons, patati patata, je vous passe le speech, c'est important, enfin, le pitch c'est important, mais je vous laisserai le lire pour ceux qui jouent au jeu. Donc il y a quatre reliques, une pour pour chaque démon, pardon. Le groupe a découvert la récompense de groupe qui correspond au maître qu'il vient de vaincre. Lors des futurs affrontements avec ce même groupe, ajoutez la relique au deck marché. C'est-à-dire que maintenant, j'ai vaincu l'ombre narquoise, donc c'est la pierre de l'ombre narquoise, c'est ça. Et cette relique-là va être ajoutée au deck du marché. Donc bah, pour arriver à la sortir, déjà, voilà, faut de la chance, mais ça coûte 6. Et ça permet de faire des trucs sympas. Donc quand tu veux la jouer, sacrifie les 3 premières cartes du deck du marché. Cette carte devient une copie de l'une des cartes au choix jusqu'à la fin de votre phase de joueur. Cette carte est toujours un objet relique, en plus des types de factions et de la carte copiée. D'accord. Donc quand tu la joues, bah, tu vas récupérer une des 3 cartes. Des 3 cartes qui sont là, tu vas la retourner, tu vas choisir laquelle c'est, et ça en devient une copie.
Ok, ça c'est plutôt bien. Donc du coup, maintenant, quand je vais jouer avec mon guerrier, dans les futures campagnes, je vais avoir ça. Également, chaque joueur gagne un point de héros qu'il peut dépenser pour améliorer une de ses compétences, une de ses capacités, ou pour acheter une carte supplémentaire. Je pense que je vais acheter le point de vie. Et on a un épilogue qui se passe après. Je ne vous dirai pas ce que c'est exactement l'épilogue. Mais surtout, c'est ça qui est important. C'est que l'aventure continuera avec le guide de campagne, Le Village Perdu. Alors, Le Village Perdu, malheureusement, il n'est pas encore disponible en français. Il n'est disponible qu'en anglais, je crois. Donc, pour continuer la campagne des ruines de Tandar, eh ben, il faut avoir se procurer ce deck, cette extension, tout simplement, du village disparu, pour pouvoir réutiliser notre champion, notre guerrier, là, avec son deck de cartes, ici, là, qui va bien, pour pouvoir de nouveau partir à l'aventure et continuer la campagne de la ruine de Tandar. Écoutez, c'était super sympa, super fun. On a affronté deux boss des quatre, du coup, autour des différentes parties qu'on a faites. J'essaierai d'affronter les autres boss d'une manière tout seul, sans forcément faire de vidéo. Mais voilà, donc c'est une campagne pleine de ruine de Tandar. Ça a pris facilement, je sais pas, je ne me rends pas compte en fait du nombre de parties. Mais peut-être 6-7 heures de jeu, quoi, pour faire la campagne complète. Moi, ça m'a bien plu, ça m'a bien amusé. L'affrontement 2, très très dur avec le diablotin, là, avec les diablotins qui te faisaient défausser des cartes, un truc horrible. Le reste, beaucoup plus facile. L'affrontement 1, très facile. L'affrontement 3, du coup, celui qu'on vient de faire là, plus simple que l'affrontement 2. La première phase avec l'archiprêtresse, avec le guerrier en tout cas, tu la défonces assez rapidement, donc elle n'a pas le temps de finir son invocation. Donc du coup, ça te réduit ton paquet de rituels de beaucoup de cartes, ce qui fait que tu prends pas tous les malus quoi, que tu vas prendre dans la tronche. Quoi. Avec le clerp, si je fais la campagne avec le clerp, par exemple, je pense que ça ne va pas être la même chose, parce qu'il tape beaucoup moins fort. Par contre, vu qu'il se soigne plus facilement, je vais peut-être pouvoir arriver à récupérer le prisonnier qui est là pour du coup m'aider à me soigner, etc. etc. Ok, écoutez, c'est la fin de cette série de vidéos sur la Hero Realms et la ruine de Tandar. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai fait des boulettes, c'est possible. Surtout, l'affrontement 2, j'ai besoin d'éclaircissement, je ne sais pas trop. Enfin, je l'ai déjà expliqué dans les vidéos en question, mais voilà. Moi, c'est Bonne Parole, je vous fais des gros bisous. Amusez-vous bien et à plus tard. Salut, salut!